こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。 Je vous ai souvent parlé des sites et forums regroupant les personnes aux tendances suicidaires et les prédateurs meurtriers qui s'y promènent, comme dans le cas de l'affaire Sheila ici. Mais il est un autre phénomène qui inquiète la police et les familles, celui des forums d'ados qui veulent fuir de chez eux et se donnent des conseils pour échapper à leur famille. Comme vous pouvez vous en douter, ce genre de page est infesté de gens malveillants avec de faux profils et de sombres dessins. C'est l'un de ces prédateurs qui a été arrêté par la police de Inachiki dans la préfecture de Ibaraki, Saito Shuntaro, 25 ans, ouvrier du bâtiment et pédocriminel. Mais remontons à l'origine de l'affaire. Le vendredi 16 septembre, vers 20h30, un couple de Inachiki se rendait au poste de police pour signaler la disparition inquiétante de leur fille de 15 ans. Partie du lycée à 16h, juste après les cours, elle n'était jamais arrivée à la maison. Comme c'est l'usage dans les disparitions de mineurs, la police procéda immédiatement à une demande de réquisition auprès du procureur pour avoir accès au contenu téléphonique et aux réseaux sociaux de la disparue, ce qui fut fait dans la matinée du 17. En plus, les caméras de vidéo urbaine du quartier où elle avait disparu furent passées au crible et très vite, une explication et un suspect apparurent. La jeune fille postait régulièrement sur un forum et y exprimait son mal-être et son désir de fuguer. Un individu se faisant passer pour un garçon de son âge lui répondait et prétendait être dans la même situation, en réalité, Saito. Après des semaines de discussion, le faux adolescent proposa à la jeune fille de fuir ensemble et lui dit que son grand frère, dans la confidence, viendrait la chercher en voiture. Le 16 septembre, vers 18h, on voit clairement la victime monter dans la voiture de Saito au point de rendez-vous fixé par SMS. C'est l'analyse d'autres vidéos qui permettra de faire remonter la police jusqu'au domicile du kidnappeur et de la libérer le samedi à 17h. Retenue prisonnière et agressée sexuellement par Saito, la victime traumatisée a été placée en milieu hospitalier et suivie par une équipe médicale tandis que Saito était placé en garde à vue. Les analyses de son disque dur et de son téléphone ont permis d'établir que l'individu n'en était pas à son coup d'essai et la police est en train de remonter toutes les pistes. Elle a d'ores et déjà retrouvé des vidéos que le suspect filmait pendant les viols de ses victimes et partagées sur des réseaux spécialisés et tente d'identifier les autres victimes. Mis en examen pour enlèvement par ruse, séquestration et viol sur mineur, Saito risque 25 ans de prison. Affaire à suivre. Le 18 septembre dernier, la police de Fujimi dans la préfecture de Saitama a arrêté Hanzawa Ayana, 24 ans, institutrice à l'école primaire de Mizutani Higashi, pour tentative d'empoisonnement et dérouler le fil d'une histoire qui aurait pu se révéler dramatique. La jeune femme en poste depuis 2020 était en charge de deux classes et suivait ses élèves depuis 2 ans. Or, après la désorganisation des écoles causée par la pandémie mondiale de Covid-19, sa direction l'avait mise en charge d'une 3e classe depuis la rentrée d'avril, et l'institutrice l'avait plutôt en travers de la gorge. Perturbée et sujette à des problèmes d'irritabilité depuis son plus jeune âge, elle avait pris cette nouvelle classe de 3e grade, l'équivalent du CE2, en grippe et les réprimandait sévèrement depuis la rentrée. Convaincue d'après ses premières déclarations à la police qu'il fallait qu'elle se débarrasse d'eux pour retrouver ses classes d'avant, elle avait décidé tout simplement de les empoisonner. Le 15 septembre, en allant au travail, elle avait acheté une bouteille de Javel concentrée dans un drugstore de Fujimi et vers 11h30, pendant une pause, en avait versé le contenu dans la marmite de curry destinée au repas de midi. Fort heureusement, la loi exigeant que les produits du genre soient additionnés d'additifs très odorants pour justement éviter les empoisonnements, les enfants furent alertés par l'odeur en entrant dans la cantine et les cuisinières en soulevant les couvercles alertèrent immédiatement les autorités sanitaires. Après analyse, la présence massive de Javel fut détectée et le personnel confié à la police pour interrogatoire. Hanzawa avoua tout et fut remise aux autorités pour être présentée devant le procureur qui a décidé de la confier à une équipe d'experts psy avant de décider d'une mise en examen.
Affaire à suivre. Le 19 septembre, un drame familial épouvantable se déroulait à Koriyama, dans la préfecture de Fukushima. Vers 18h, le 119, le numéro d'urgence, recevait l'appel affolé d'une mère dont les fils venaient de se disputer. Son aîné de 20 ans venait de poignarder son petit frère de 15 ans et celui-ci était allongé, inconscient dans la maison, saignant abondamment. Les secours et la police arrivèrent rapidement sur place et prirent en charge le garçon qui avait reçu 5 coups de couteau de cuisine dans le dos et les épaules. Fort heureusement, aucun organe vital n'avait été touché et ses jours n'étaient pas en danger. L'auteur des coups de couteau, croyant avoir tué son petit frère, avait pris la fuite et un avis de recherche avait été lancé, mettant plusieurs patrouilles à ses trousses pour éviter un autre drame. C'est le gardien d'une résidence privée qui donna l'alerte vers 19h après avoir trouvé le corps sans vie d'un jeune homme au pied de son immeuble. Arrivé sur place, la police ne put que constater qu'il s'agissait bien du frère en question qui, visiblement, venait de se jeter du toit de l'immeuble de 8 étages. Les caméras de vidéoprotection de la résidence le confirmeront peu de temps après. Le jeune homme, pris de panique, avait escaladé les escaliers de secours et était grimpé sur le toit avant de se jeter dans le vide, pensant probablement avoir tué son petit frère. Après avoir interrogé la mère sur les raisons de la dispute, il semblerait que ce soit un emprunt de jeu vidéo qui ait été à la base de la dispute. Beaucoup de malheur pour pas grand-chose en somme. Madame Yamanobe Yoko, 92 ans, vivait dans une maison de retraite médicalisée du quartier de Kita à Tokyo depuis une douzaine d'années, juste après avoir pris sa retraite, le dos et les jambes fatigués par 60 ans de travail dans un grand magasin. Arrière-grand-mère, sans histoire aucune, appréciée de tous dans sa famille et son établissement, elle a été retrouvée battue à mort dans sa chambre le matin du 18 septembre. C'est une employée qui l'a retrouvée vers 6h du matin alors qu'elle venait pour les premiers soins et la toilette. La police a été immédiatement appelée et les premières constatations purent prouver qu'il n'y avait eu aucune effraction ni aucun vol dans la chambre. Les employés furent interrogés sur la soirée précédant le meurtre apparent de la résidente, tous les employés sauf un qui n'était pas venu prendre son service. L'homme de 50 ans, aide-soignant, était de garde le soir où Madame Yamanobe a été tuée et devient le suspect numéro 1 dans cette affaire. Absent de son domicile depuis les faits, il fait maintenant l'objet d'un avis de recherche. Affaire à suivre. Le 16 janvier 2022, M. Yoshida Keisuke, 40 ans, chercheur dans l'industrie pharmaceutique, appelait le 119 après que sa femme ait perdu connaissance. Prise en charge rapidement, elle décédera à la fin de la journée. Devant le profil de l'épouse, 39 ans, sportive et sans antécédents médicaux, une autopsie avait été effectuée montrant qu'elle avait été victime d'un empoisonnement au méthanol. Cette substance n'étant présente dans les alcools du commerce qu'en très petite quantité, une enquête avait été ouverte pour déterminer la façon dont la victime aurait pu ingérer ce poison. Le mari était devenu le principal suspect, chercheur chimiste chez Daiichi Sankyo, groupe pharmaceutique qui stocke régulièrement ce genre de produits. La police avait cherché à déterminer s'il avait pu se procurer le poison sur son lieu de travail et trouvé qu'il en utilisait régulièrement dans le cadre de ses recherches. Mais aucune preuve de sortie du liquide n'a pu être établie. Une enquête de voisinage et de famille avait permis de prouver que le couple battait de l'aile et que madame menaçait de quitter son mari depuis quelque temps. Quelques messages retrouvés sur le portable du suspect et ses messageries promettaient même une fin violente à sa femme si elle le quittait. L'analyse des cheveux et des tissus de la victime a permis d'établir que l'empoisonnement avait été fait à petite dose administrée de façon régulière. Pour un expert, il est facile de doser ce poison sucré à l'odeur similaire à l'éthanol et de le faire ingérer à quelqu'un. Devant le faisceau de preuves accumulées, la police de Ota a procédé à l'arrestation de Yoshida le 15 septembre, le plaçant en garde à vue et le déférant devant le procureur. Mis en examen pour assassinat par empoisonnement, ce dernier nie farouchement les faits et un combat d'experts risque de commencer sachant qu'il risque 30 ans de prison. Affaire à suivre.
Je vous en parlais dans un petit Satsujin de juin 2021. Inada Mayuko, 25 ans, gérante d'un karaoké à Tenjinbashi, un quartier d'Osaka, était retrouvée morte dans sa boutique le matin du 14 juin à 10h45. C'est un ami à elle, inquiet de ne pas avoir de nouvelles, qui avait alerté sa meilleure amie, patronne d'un café voisin du karaoké et qui avait la clé du commerce. Il l'avait retrouvée morte, victime d'une dizaine de coups de couteau dans la poitrine et le cou. Très vite, Miyamoto Hiroshi, 57 ans, un client régulier du bar karaoké, était devenu le suspect principal et arrêté par la police d'Osaka. L'homme, amoureux de la jeune femme, avait été insistant avec elle avant de la harceler, et ce même devant les clients. L'homme marié et père de famille fréquentait l'établissement appelé Gomachan depuis son ouverture et de nombreux clients ont pu témoigner de son insistance puis de son harcèlement auprès de Mademoiselle Inada. Les envois de multiples cadeaux de prix, livraisons de fleurs et déclarations quotidiennes avaient conduit la victime à le signaler à ses amis et à ses proches. Les analyses ADN sur l'arme du crime et les vêtements du mis en examen ainsi que celles des caméras de vidéoprotection sont sans appel et Miyamoto ne nie pas les faits, bien au contraire. Pendant ses auditions en garde à vue, il avait tout avoué puis s'était plongé dans un mutisme complet, y compris en prison. Lors de l'ouverture de son procès, le 12 septembre dernier, il a rompu son silence et renouvelé ses aveux, puis demandé à la cour de le condamner à mort, et ce, le plus vite possible. Puis il est retourné dans son silence et semble totalement éteint, assis sur le banc des accusés. Le procès ne devrait pas durer longtemps, l'accusé plaidant coupable et le verdict devrait tomber dans les jours qui viennent, avec certainement une condamnation à 30 ou 35 ans de réclusion, sûrement pas la peine capitale. Affaire à suivre. Je vous en parlais dans la dernière édition de Petit Satsujin, un homme de 23 ans, Arimoto Shogo, était condamné à 4 ans de prison pour des incendies criminels visant la communauté coréenne de Kyoto. Le caractère raciste de ces actes avait été clairement établi par la police et la cour, mais n'ont jamais été pris en compte dans les réquisitoires, ni dans le verdict. La décision du tribunal avait scandalisé les associations coréennes du Japon dont les porte-parole ne comprennent pas pourquoi le Japon ne compte pas dans ses lois des articles définissant les crimes de haine raciale et tout simplement des délits de discrimination envers un groupe minoritaire comme c'est le cas en France, en Allemagne, aux USA et dans de nombreux pays. Moroka Yasuko, une avocate dont je vous parle souvent et qui défend les étrangers du Japon, a été saisie par des associations communautaires victimes de discrimination au Japon, notamment un groupe de défense des Ainichi, les résidents coréens, mais aussi de la communauté chinoise, indienne, sri-lankaise, camerounaise, congolaise et ivoirienne, et d'un collectif LGBT qui souhaiterait que la notion d'homophobie et de transphobie rentre dans la loi japonaise et compte dans les verdicts comme celle de racisme et de discrimination. La constitution de 1947 ne prévoit en effet aucune peine alourdie dans ces circonstances et ne les mentionne même pas. Toutes ces associations et Maître Moroka se sont unis avec la Ligue des droits de l'homme du Japon et ont travaillé avec des élus des groupes de gauche des deux assemblées pour présenter un texte de loi au ministre de la Justice en avril dernier. L'explosion des agressions à caractère raciste de ces derniers mois, dont l'incendie de Kyoto, a accéléré l'étude de ce projet de loi et il devrait bientôt être présenté à la Diète pour être voté. L'opposition des groupes de la majorité conservatrice à une telle loi ne garantit pas son adoption, mais le vent mauvais qui souffle sur M. Kishida et son gouvernement peuvent réserver des surprises. Ce projet législatif prévoit de faire entrer la notion de crime raciste ou visant une minorité dans l'arsenal juridique, alourdissant les peines si ce caractère est reconnu. Mais il vise aussi à faire entrer la notion de discrimination dans le code pénal, discrimination envers un groupe ethnique, religieux ou sexuel, ce qui pour l'instant n'existe pas. Une autre partie de ce projet de loi demande l'introduction d'une parité et d'une représentation des groupes minoritaires dans la vie publique, par le biais de décrets obligeant les entreprises et les médias à une plus grande représentation de ces groupes, pour lutter contre un racisme objectivement présent au Japon. Des groupes ouvertement xénophobes comme le Zaito Kokai, un parti anti-coréen, ont pignon sur rue et peuvent défiler dans la rue en criant des slogans haineux sans aucun problème. Si ce groupe de loi est adopté par les deux assemblées, le visage du Japon devrait changer assez sensiblement dans les mois et les années qui viennent. Quelques décisions de justice allant dans ce sens ont récemment été prononcées et ouvrent la voie vers une nouvelle ère.
Le petit virage progressiste du pays après les scandales impliquant la majorité conservatrice pourrait faire mentir les prévisions, dont les miennes, d'un englument du pays dans son passé. Affaire à suivre. Le 17 septembre, la cour de district de Mito, dans l'est du Japon, et son président, M. Abe Masahiko, rendaient un verdict unique en son genre et qui va sans doute faire date et jurisprudence dans une société en plein changement. Pour la première fois dans l'histoire du pays, le gouvernement et la direction d'un centre de détention pour étrangers étaient reconnus coupables dans la mort d'un ressortissant camerounais de 43 ans en mars 2014. Pour rappel, l'homme avait été arrêté à l'aéroport de Narita avec un faux passeport et placé en détention en attendant son expulsion. Cette incarcération au centre de Hoshiko dans la préfecture de Ibaraki avait été prolongée car l'homme semblait avoir des liens avec un groupe de compatriotes installés au Japon et qui s'était rendu coupable de différents crimes et délits en relation avec les stupéfiants. Mais très vite, le détenu avait montré des signes de santé fragiles et demandé à être vu par un médecin. Diabétique et hyper tendu, il avait été vu par le service médical de la prison, mais quelques jours plus tard, il se plaindra de violents maux de ventre et criera qu'il est en train de mourir. Les gardiens ne semblaient pas avoir pris la mesure de la gravité de son état et n'ont pas bougé. Quelques heures plus tard, il était retrouvé mort dans sa cellule. Après le rapatriement de son corps au Cameroun, la famille de la victime avait intenté une action en justice contre le gouvernement japonais et réclamé 10 millions de yens, environ 7000 euros de dommages et intérêts. La procédure, toujours très longue, avait connu quelques rebondissements suite à des changements de loi et le juge en charge de l'affaire à l'époque avait proposé un arrangement à l'amiable entre le gouvernement et la famille. Mais Maître Ibusuki Shoichi, avocat de la défense et très impliqué dans les associations de défense des étrangers au Japon, avait refusé cet accord et demandé un procès. L'enquête avait déterminé l'état de santé critique de la victime avant d'arriver au Japon, usagé de drogue et grand buveur, et établi qu'il serait mort de toute façon, qu'il soit là ou ailleurs. Cette expertise médicale avait d'ailleurs été validée par les deux parties. Cependant, la non-réaction des surveillants le soir de sa mort avait été jugée inacceptable et condamnée par le tribunal. C'est l'établissement qui porte la responsabilité de cette tragédie et le ministère de l'immigration qui se voit condamné. Le juge Abe a décidé de prononcer cette première condamnation assortie de dommages et intérêts à hauteur de 1,65 million de yens, environ 11 500 euros. La famille a décidé de faire appel pour que cette somme soit réévaluée à hauteur des 10 millions qu'il demande, mais l'avocat est très satisfait de cette grande première dans l'histoire judiciaire japonaise. Elle donne beaucoup d'espoir à la famille de Wishma, cette Sri Lankaise morte en détention elle aussi, et dont je vous parle souvent, et aux familles des 17 autres ressortissants étrangers morts dans les centres de détention depuis 25 ans. Affaire à suivre. Connaissez-vous l'expression « papa katsu » ? Rien à voir avec les tonkatsu et non, ça ne se mange pas, quoique. Eh bien au Japon, ce petit sobriquet tout choupinou désigne de vieux messieurs fortunés qui entretiennent des jeunes, voire des très jeunes femmes en échange de faveurs intimes et d'une exposition publique, souvent pour maintenir une image de mâle séducteur et toujours vert. Le vieux fourneau fournit argent, articles de marque, séjour dans les hôtels de luxe et autres frivolités contre quelques instants de félicité sensuelle arrosée de champagne. Enfin, ça c'est sur le papier car dans les faits, ce que l'on appelle les sugar daddies dans d'autres pays sont assez loin de l'image désuète et charmante que certains peuvent en avoir, tout du moins au Japon. Comme pour toute activité localisée en dessous de la ceinture, l'avènement des internets a rebattu les cartes et chaque spécialité a son réseau dédié. Si vous suivez cette rubrique régulièrement, vous êtes bien placé pour le savoir. Alors quittons un peu le monde merveilleux de la bonneterie pour celui plus crapoteux des têtes chenues et des ventripotons fortunés en quête de juvénile compagnie. Dans la vie, nous ne sommes pas tous égaux devant l'entrepreneuriat et la réussite à tout prix. Certains rêvent de servir leurs contemporains au mépris du profit, et d'autres se voient déjà en haut de l'affiche dès le collège, la longueur des dents dépendant souvent du milieu d'origine.
Eriko, 16 ans, lycéenne dans l'arrondissement de Shinagawa à Tokyo, fait partie des jeunes filles au crochet qui rayent les tatami. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a eu un début de carrière fulgurant qui n'a rien à envier à Bonnie Parker. Très au fait des choses de ce monde, mais aussi et surtout de ce que les garçons et les hommes attendent plus que tout, elle a dès son plus jeune âge cultivé l'art de la séduction, d'abord pour les goûter de ses camarades de classe, puis pour qu'on lui porte son cartable et le collège atteint, contre quelques œillades et un baiser sur la joue pour obtenir quelques accessoires et vêtements de marque de garçons morts d'amour aux yeux exorbités. Jolie et séductrice par nature, elle avait su se créer une petite cour qui, dès la fin du collège, était à sa botte et dont le secret espoir d'obtenir ses faveurs lui obéissait au doigt et à l'œil. Les trois garçons de son entourage scolaire qui se mouraient d'amour pour elle lui présentèrent des amis plus âgés qui tombèrent dingues de la belle et là aussi elle joua de ses promesses d'amour pour en faire des alliés sûrs. Les gugus, pas très portés sur la légalité, allaient régulièrement faire des razzias dans les centres commerciaux pour lui ramener sa liste de courses très Dior et Chanel contre un moment seul avec elle ou une main tenue en public. Autour de la jeune fille, quelques camarades du même sexe avaient choisi un moyen qui ne lui plaisait que peu, vendre leur charme à des messieurs contre de l'argent sonnant et trébuchant ou contre quelques babioles de couturiers, le tout via des applications dédiées. Pas qu'elle eût quoi que ce soit contre l'idée en soi, non, c'était le récit des nuits lubriques que ses amis passaient avec des vieillards kakoshim qui la dégoûtaient plus tôt. Souvent, lorsque le client était plus jeune, il était aussi plus tordu et il n'était pas rare qu'une fille reprenne le lycée le lundi matin avec quelques bleus ou quelques brûlures. Et ça, Eriko ne l'acceptait pas. Si d'aucuns pouvaient douter de sa moralité, pas moi je vous rassure, il était clairement établi que les vieux grisons pédos n'étaient pas dans la liste de ses amitiés. Car oui, un homme de 40 ou 60 ans qui couche avec une fille de 16 ans est un pédocriminel qui doit pourrir dans un cachot humide à boire l'eau croupie et à manger le pain d'angoisse, je vous le rappelle. Assoiffée d'argent et de justice, la jeune roublarde eut alors une idée de génie pour délester les antiques lubriques de leur talbin sans mettre la main à la pâte. Elle le savait, le pédo des internets est méfiant et envoyer ses lieutenants n'a pas été une mauvaise idée, alors telle une Jeanne d'Arc de l'arnaque, elle ouvrit un profil sur la plus grosse plateforme de Papakatsu et y afficha son joli minois et son âge, 16 ans, en gros chiffres dans l'annonce. Moins de 5 minutes plus tard, une centaine de messages étaient arrivés dans sa boîte et bien sûr, les vieilles ganaches lui promettaient déjà des montagnes d'or contre son innocence. De tels pigeons avec les patates au fond du filet étaient décidément une aubaine. Elle le prendrait bien aux abois, mais pas trop vieux pour ne pas le faire claquer d'un infarctus au moment de la surprise, car oui, il y aurait une surprise. En accord avec Frère Toc et Petit Jean, elle avait mis son plan au point et les fidèles compagnons étaient prêts à l'action. Une fois le ramier quadrillé, elle entama la conversation et échangea quelques photos un peu coquines mais jamais indécentes à la seule demande du trentenaire en rut qui lui précisait bien à chaque échange qu'elle avait 16 ans. Son dossier monté, je vois que vous commencez à comprendre. Son dossier monté donc, elle donna rendez-vous au gogo lui répétant à quel point elle avait envie de le voir lui seul et de faire un tour en voiture, pourquoi pas, dans les bois de Kawasaki. C'était tellement romantique et isolé comme endroit. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, il ouvre un large bec et laisse tomber sa vigilance. Rendez-vous fut pris devant la grande station de Shinagawa, Eriko rentra dans la belle voiture allemande du monsieur et tous deux partirent vers de plus vertes allées. Leur filant le train, ses cinq compagnons entassés dans une vieille Mazda ne perdaient rien de l'itinéraire. Un petit supplément persuasif en forme de batte de baseball dans le coffre, ils cheminaient vers la fortune filochant leur patronne en jupon. La berline noire se gara dans une allée isolée et les sacripants quelques mètres derrière, à l'abri des fourrés. Eriko, en pleine maîtrise de son art, descendit se dégourdir les jambes avant que les vilaines pattes poilues du satyre ne se posent sur elle. Le pigeon immonde, bien décidé à violer une enfant, ouvrit son coffre et en sortit une bouteille de whisky, du soda et deux verres. Jouant le jeu de la sûreté, la jeune justicière lui demanda de la payer d'avance, 40 000 yens tout de suite comme convenu. Le criminel avait le morlingue aussi gonflé que son falzar et sortit les images sans broncher. Mais voilà, la princesse des voleurs siffla et de rechef ses cinq compagnons sortirent de nulle part fiers et triomphants.
Ils commencèrent par le prendre en photo, puis le soulagèrent de tous ses billets qui alourdissaient ses poches. Elle, lui montrant leurs échanges sur son téléphone, répétait en boucle cette incantation magique redoutable. 16 ans, mec, j'ai 16 ans. Avec en prime des photos de l'immonde avec sa femme et ses enfants trouvées sur les réseaux sociaux. Il put repartir en métro après avoir fait quelques courses chez Vuitton et Hermès et donner son bolide teuton au joyeux compagnon. Comme l'avait dit Erico, un mot aux archers du roi et sa femme aurait du courrier. Mais voilà, le salaud est vil et c'est pour ça que c'est un salaud. Toute honte bue, le pédo signala la petite troupe à la flicaille et l'on vint les cueillir à la sortie du nid. L'affreux avait inventé une belle histoire de malandrin pour sa femme et la police, mais Erico, perdu pour perdu, déballa toute la vilaine salade devant leur nez. Ils avaient violé la loi, certes, mais avec honneur et panache, et quoi qu'il arrive, le pédocriminel aurait bien des ennuis avec maman et la justice des hommes. Moralité, quand papy pédo te donne rendez-vous, vas-y avec ton crew, enfin, un truc du genre, il faut que je peaufine. Bon, un peu de morale dans cette rubrique de tordu, c'est pas mal. Comment ça, elle aurait pu juste le dénoncer? Ah oh, ouais, enfin bon, c'est pas drôle, et c'est plus drôle de dépouiller les pédos, moi je préfère. Salut Satoujin, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer de présenter ma chaîne en moins d'une minute. J'ai une chaîne YouTube sur le cinéma, mais avec un petit twist, je ne fais pas de react ou d'avis à chaud sur l'actualité. Je fais plus des essais journalistiques sur les années 2000 précisément, avec une affinité pour le cinéma un peu alternatif, comme les Stoner Movie ou les Teen Movie. J'ai traité des sujets comme Jackass, Scary Movie, Projet X ou encore Men in Black, mais un dessin animé. J'ai traité aussi un peu de Lost Media avec le workprint de Wolverine Origin. Donc voilà, je vous invite à découvrir ma chaîne si le contenu vous intrigue, et je te remercie encore pour cette invitation. J'espère que ça a été assez concis et clair. Je te dis à la prochaine. Salut. Voilà cette 61e édition de Petit Satsujin est presque terminée, mais avant de vous quitter, laissez-moi vous rappeler quelques commandements divins auxquels vous ne couperez pas. Je chausse mes ailes et mon auréole et paf, décollage. Tout d'abord, et ça ce n'est pas faute de le répéter, vous êtes encore plus de la moitié à regarder mes vidéos sans être abonné, et ça fait beaucoup de peine au petit Jésus, si, je vous le jure, c'est lui qui me l'a dit hier soir, il était avec un pote, Saint-Émilion je crois. Allez hop, on clique sur le petit bouton, sur la divine cloche, voilà, amen. Je vous le dis à nouveau, mais mon sacerdoce est cruel qu'il me prive des subsides du bon père YouTubus, le prélat Grigou. Alors si vous pouvez laisser une obole via le tronc Tipeee ou Utip, Dieu ou qui de droit, vous le rendrez au centuple. Vous pouvez aussi activer le sacré cœur du Super Thanks, là, juste sous la vidéo. D'avance, merci et soyez bénis. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la sainte boutique satsujin.fr où vous trouverez mes missels que je vous dédicace à la demande, les CD des musiques sacrées de la chaîne et de saintes reliques du feu de Dieu. Dans la boutique Spreadshirt de la paroisse, vous trouverez chasuble à votre goût pour briller pendant l'office. Enfin, n'oubliez pas de me rejoindre à la grande kermesse des réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. Eh oui, j'y prêche la bonne parole et y poste souvent des photos de Jean 23. Allez, je vous laisse, je vais aller casser une petite graine. Qu'est-ce que c'est que ça? Du jumeau aux haricots rouges. Du jumeau? Du jumeau. Vous ne connaissez pas, vous, ces biscuits de salade, moi, c'est l'Ivar au Beaujolais. Oui, mais regardez, hé. Eh bien, regardez. Matanée.